يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته La question qui nous a la dernière fois, c'est qui fait la guerre, ce qui nous dit jihad là, autorisé dans l'islam. En premier, pour une personne qui note, l'hypoconie, c'est un phénomène social. Ça. De tout, de l'époque, finit la guerre. De tout, l'époque. Et dans même dans le Torah, pour les juifs, ils reconnaissent légalement la guerre. Sans compter qu'il dans droit international amène la guerre qui comme une question légitime. Donc c'est une question qui est connue ça. Déjà c'était une existe dans la religion de l'islam qui est dans une partie la dedans qui cause la guerre. Une question connue mondialement de n'importe quelle l'époque. Mais là nous parce cause concernant une religion. La première question qui vient avec nous c'est quand fin arrive premier la guerre ça qui nous dit jihad veut dire entre homme et homme dans la religion de l'islam, c'était le deuxième l'année hijri, le deuxième, Safin prend place d'omédin, Safin prend place d'omédin, quand ben nos musulmans, ben habitants Makkah, finvine encercler la ville de Madin. Le sa étape là, le Créateur révèle verset 216 de chapitre 2 pour les dire, il vous est prescrit de combattre. C'est là qui dit hadr en danger. C'est là que la guerre s'est rentrée. Quand seulement, quand l'ennemi vient à l'entour, nous ben habitant en Makkah, musulmans à cette époque-là, qui, tu peux contre le prophète Mohammed, tu peux lui, quand je ne viens à l'entour, je peux venir, c'est pour attaquer. De là qu'il loi l'Oala descend, tu besoin la guerre à l'os. Tu besoin de te défendre. -toi. Et le créateur de nous est et pourtant, ça ne va faire de plaisir. Donc, il n'y a aucun monde qui compte en la guerre. Mais seulement quand quelqu'un peut venir attaquer toi, qui te fait Est-ce qu'il te fait Donc la guerre, l'illégitime dans la religion de l'islam, ça qui nous dit djihad, dans deux cas. En, quand dit veut dire le musulman, il besoin de défendre sa personnalité, il besoin de défendre son honneur, il besoin de défendre son bien, il besoin de défendre sa nation, son pays. Ça veut dire, il a besoin de défendre ça. Quand des fans qui veulent dire, les autres puis attaquent nous, là c'est le djihad qui vient à se dire. Oui vous Connaissez, l'État réfléchit parfois de fausses accusations de bombes nucléaires, finir comme il y a mot d'homme pour certains pays. Personne ne trouve ça. Qui fait existence de la religion de l'islam Quand nous amenons comme une la loi, si demain quelqu'un peut attaquer ta personnalité, peut-être que toi, êtes coqueté, peut-être que vous êtes peut-être la guerre contre les collègues et vous toi sa la religion de l'islam et je finis de trouver devant eux qui, le créateur dit, combattez sur le chemin de Dieu, ban qui pélague avec toi. Ve au besoin au besoin de défendre toi. C'est pour ça qu'au milieu, je trouve le récit du prophète Mohammed, puis ça sur lui, qu'on te dit, c'est lui qui finit de tuer la cause du bien, mais il peut défendre du bien, il y a une mort-tière. C'est lui qui tue pour sa personne, mais il peut défendre lui-même, il compte comme une mort Et une mortier tière de la religion de l'islam, c'est un qui est un qui est un de doeuvre un djihad, un tout le temps, il finit de nous donner la guerre sainte. Mais, comment nous finissons de dire, c'est ça. Deuxième, je te dis devant vous, tout ça manque mais nous filmons tout ensemble. Nous appelons les deux j'aime ça. Parce qu'il y retourne le tout, c'est la religion de l'islam. Premier personnel, personnalité de la, du musulman. Deuxième, c'est la religion de l'islam. Quand le musulman, besoin fans se c'est la loi d'in, C'est la loi de religion. Il faut dire qu'il peut la loi de là. Deuxième, quand il peut être malmené le musulman. Troisième, quand il peut empêcher un des qui peut envie qu'on l'islam, l'islam, il peut mettre une restriction. Et quatrième, quand un kipé propage la religion de l'islam peut transmettre le message, je peux être battu, je peux être tué. Dans ce cas-là, je veux dire, tout est toujours la religion de l'islam. Quand, quand un musulman commence à se sur la loi, empêche-lui de sur la prière, empêche-lui de le jeûne, empêche-lui de donner ses accords, quand la loi est terminée, un musulman a besoin de défendre sa religion. En plus, un qui qu propage la religion de l'islam. En plus, on trouve ça dans quelque chose là. Là, c'est le djihad qui vient. Pas essayer d'imaginer aucun pays où comprendre le message de l'islam, c'est quoi. Donc là, à partir de là, premier, tu as le droit de défendre toi-même, ta personnalité. Deuxième, tu te ta religion. Zis dans ce cas là, qui est la religion de l'islam, à amène le djihad. Le djihad verser qui devant nous et combattre dans le chemin de Dieu, ben qui combattre avec les mais ne commettez pas d'agression. Ça, vous ne ne avec lui. Parce qu'il dit à nous, le créateur pas content, pas contre, banne à l'agresser. Mais là, à -là quand une connaît ces deux conditions-là, une question qui vient, qui est ben la loi qui vient respecter de le djihad Vous que d'une autre façon. Plus qu'il 65 ans 70 ans, Hiroshima. Azoudi, aucune plantation pas capable de mettre là-bas, aucun Zimbabwe pas capable rester là-bas, parce qu'il est un pays qui n'attaque un autre pays. Qu'est-ce qu'Azoudi qui n'est arrivé? Au gué dans Moyen-Orient, combien de pays finissent par se trouver dans un moment difficile, la guerre? Comment savoir un pays-là était-ce qu'Azoudi? Ça c'est pas jihad. Djihad, ça qui vient de la religion de l'islam avant ou sortir, il y a des conditions. Tu peux défendre ta religion ou bien tu peux défendre ta personnalité. Avant de sortir, y il y a un règlement concernant ce djihad-là. Ça, ça qui va avec nous demain. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Wa salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum wa rahmatullahi <trausses> wa barakatuh.